ça la belle ville, le mal est pris en bus parce qu'on a plus de voiture. C'est rigolo. Bonjour, ici nous nous retrouvons à Salaberry de Valleyfield, on va faire le concours pour chasser le flocon d'or. Tu peux expliquer peut-être? Non, je peux pas plus expliquer parce que je n'ai pas le code pour entrer dans le. C'est comme une chasse au trésor. Bon allez, on y va. Allez mon armée, on y va. Ah oui, il est là. On va trouver le flocon. Fini. Finito pepito. Sans transition aucune, on se retrouve à la pataterie de Salaberry de Valleyfield. On a juste pas tout filmé la chasse du flocon parce qu'il faisait très froid. Mais c'était une super expérience. Dans la prison de Nantes, y avait un prisonnier. Un petit peu d'histoire ici avec le vieux canal de Beauharnois qui passait du coup à Salaberry de Valleyfield. Et il y a beaucoup d'usines qui s'y sont. Qui sont installés autour pour profiter d'énergie hydroélectrique. Et maintenant, c'est devenu un centre commercial et une usine de filtration d'eau. Et en face du parc où on était ce matin pour chasser le flocon, il y a la microbrasserie du Vieux Canal, qui fait référence du coup au Vieux Canal de Beauharnois. Et dans cette microbrasserie, on y a découvert un super jeu et des petits cochons. Le but du jeu, c'est de lancer les cochons et en fonction de comment ils tombent, on fait des points. 15, 5. 15, 20, 30. T'as perdu. On se retrouve ici aujourd'hui devant la centrale de Beauharnois, centrale Hydro-Québec. Hydroélectrique. Depuis de 300 ans. J'aimerais même que ce soit les dinosaures. Profite de Beauharnois à la sortie du bus. Ces petites illuminations de Noël et cette magnifique Buick des années 80. Petit check des vélos quand on rentre à l'appart pour aller faire les courses. Le vélo de Claire, les freins, ils frottaient et mon vélo, moi, il pédalait pas ou mal. C'était chaotique. Mais bon, on y est quand même allé parce qu'il fallait manger. Et comme ça, ça nous fait une sortie pour voir les décorations de Noël qui sont encore là. Franchement, Noël... Au Canada, c'est incroyable. Enfin, du moins au Québec. Il y a plein de décorations, les gens le vivent à fond, c'est vraiment cool. Salut, ça va ou quoi? En direction de Montréal pour le nouvel an, en transport en commun. Station, non. Parce qu'on n'a plus de voiture. On arrive après la gare à la place des Arts, il n'y a plus rien du tout. Bah, il y a des gros bâtiments. Des gros bâtiments. Oh oh oh. Et là, on va aller voir Muse en concert. Personne devant la scène. Rien que pour nous tout seuls. Oh bah non, ça s'est arrêté. Ah, ça recommence. Voici la fontaine du complexe Desjardins dans le centre de Montréal. Ouais, y'a que ça, c'est tout. Le carrousel du complexe Desjardins. Oh, je suis sur deux marches. Cette vidéo, le commentaire est totalement claqué au sol. Hein. Mais ça fera du contenu pour les abonnés YouTube. Bonjour les abonnés. Nous sommes dans notre milieu naturel. Ça, c'est super bon. C'est du whisky à l'érable. Ça n'a pas beaucoup de whisky, mais c'est super bon. Maintenant qu'on a notre alcool, pour la soirée du nouvel an, direction chez Léonie et Guillaume. Là, on est sur le boulevard Sainte-Catherine. Il y avait un événement avec des illuminations et plein de jeux de lumière. C'était super cool. La patinoire de Place des Arts à Montréal. Devant la biosphère, il y a plein de tableaux comme ça, des affiches. En exposition, je pense, permanente ou temporaire. Et c'est trop beau. C'est l'air d'être sur le thème des oiseaux. Tout ce qu'on voit là, c'est des oiseaux, les grosses nuées là. C'est des petits piafs. Qui
Et de ce côté-là, il y a les icebergs. Putain, c'est vachement beau, ouais. Ça ne s'arrête jamais, les photos sont trop belles. Bien joué. Petit repas. Ça ressemble à du cancer, mais bien sûr que c'est pas mauvais. Hein. Une saucisse, du pain grillé avec du fromage. Sous la neige devant la biosphère. Bon app. Hier, on cherchait un flocon à 8 branches à Salaberry de Valleyfield. Et bah, ceux à Montréal, ils sont beaucoup moins stylés. Hein. Ils ont 6 branches. Petit flocon à 6 branches. Il faisait quand même bien froid, même à côté du feu. On est resté un peu, on n'a pas réussi à se réchauffer. Du coup, on a décidé de faire un méga foota. Il neige! Incroyable! On va avoir de la neige pour le réveillon. Et peut-être même l'année prochaine. Il va peut-être neiger énormément! Sur le parc, il y a un sentier de patinage qui est ouvert à tous. C'est gratuit. Il faut juste avoir ses patins et ils en louent aussi. Et c'est une grande boucle qui fait pas mal le tour de l'île. Et il y a tous les niveaux. Là, ça galère. Là, ça patine bien. Moi, je sais pas si un jour j'irai dessus parce que j'ai vraiment un niveau. Très très nul. Oula, oula. C'est trop serré tes patins, les garçons. Oh la vache. Oh, baguette, baguette. Et là, direction Schwarzdeli. On est le 2 décembre quand je monte la vidéo là. Et à Daps, c'est le meilleur smoked meat que j'ai mangé depuis que je suis au Québec. Et j'en ai fait quand même pas mal. Et ça se situe sur le boulevard Saint-Laurent. Et là, on avait attendu, je crois, une demi-heure avant de rentrer manger. Et il y a plein d'artistes qui sont venus. Enfin, surtout Céline Dion qui est venue manger ici. Et on avait découvert cet endroit dans la série Netflix Les Tribulations culinaires de Phil. Où c'est un gars qui parcourt le monde pour bouffer. En attendant les derniers, Guillaume et Albin nous ont fait une petite démonstration de rock. C'était contemporain, je crois, de rock contemporain. Après la représentation et le spectacle de Guillaume et Albin, on est passé à un jeu d'anecdotes. On devait deviner à qui appartenaient les anecdotes. On avait amené le jeu avec les petits cochons, et franchement c'est bien l'éclat en soirée. C'est bien amusé, les règles sont simples à expliquer, et après c'est que du plaisir quoi. Ça, c'est les abeilles qu'on devait peinturer pendant la soirée. C'était en complément du jeu avec les anecdotes. Et voici la mienne. Et c'est une fin de chantier. On attend le bus, 11h15. Il fait moins 5. On les ressent pas du tout. Ils ont réussi. Ils sont arrivés à Beauharnois. Avec le bus. Oh,
Et il est midi ou quoi? Ça va? Les enfants n'ont plus le droit au fun. Tout est gelé. Possible de jouer sur les jeux. Oh, la classe! Eh, hey, stylé! Ah ouais, c'est glissé. Ouais. Allez, ciao!